Salut, salut, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, Xur est sur Nessos, à la tombe de l'observateur, directement, vous savez, dans le petit vaisseau. Et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous proposer pour ce week-end. Alors, comme d'hab, l'engram prédestiné à 950, donc capé, en tout cas 950 pour ma part, capé à votre niveau, qui vous permet d'obtenir un exo que vous n'avez pas déjà. Donc, je le répète à chaque fois, pensez bien à acheter cet engram avec le perso qui n'a pas tous les exotiques dans le jeu. Ensuite, concernant les armes, on retrouve l'impulsion, elle, de la vigilance. Donc sa particularité à cette arme, c'est tout simplement d'avoir une rafale de 5 munitions. Mais ce n'est pas tout, puisque quand un allié va décéder à proximité, vos points de vie vont se régénérer automatiquement et vous vous déplacerez plus vite un court instant. Alors cette arme, on doit vous l'avouer, elle est très plébiscitée, notamment en PVP, pour cette efficacité. Ensuite, on retrouve le pantalon porte-bonheur pour les chasseurs. Donc c'est un item à utiliser avec un revolver parce qu'une fois équipé, cet item va remettre une balle dans votre chargeur en cas de frag de précision. Et les revolvers sont dégainés plus vite et ils seront plus précis pendant un court instant. Donc si vous êtes chasseur et que vous jouez régulièrement au revolver, cet item est fait pour vous. Pour les titans, une autre armure de jambes, on a les protecteurs de paix qui sont à utiliser avec la perque étui mecha qui s'associe au pistolet mitrailleur en fait tout simplement puisque cela va recharger ces derniers quand vous les rangez dans votre inventaire. Et si vous les utilisez à contrario, eh bien votre maniement et votre vitesse de déplacement seront améliorés. Donc si vous êtes titan et que vous jouez essentiellement au pistolet mitrailleur, eh bien c'est cet item qu'il faut utiliser. Et enfin pour les arcas, c'est un casque, le péché de Nézarek. Le péché de Nézarek qui est un casque dédié tout simplement aux adeptes de la doctrine abyssale, puisque la perque extracteur abysso va tout simplement faire en sorte que les frags abyssaux réalisés augmentent la vitesse de rechargement de vos compétences, donc de votre super, de votre grenade et de votre attaque de mêlée. Donc c'est assez intéressant si vous êtes arcaniste et que vous jouez notamment en Nova, ce casque est fait pour vous. Voilà pour la petite review de Xur de ce week-end. N'oubliez pas Xur qui reste jusqu'à mardi prochain et qui partira à 18h à cause de tous ces changements d'horaire. Je vous souhaite à tous un bon week-end, geekez bien et à très bientôt. Ciao tout le monde !